monde, c'est Florence. Et là, vous vous dites, mon Dieu, cette fille pète un plomb. Cette fille est complètement folle. Oui, peut-être. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire un lookbook sur les années 90, comme vous pouvez le voir ou pas du tout, sur ma face et ceci. Et je suis en train de péter un plomb parce que j'ai l'impression d'avoir 4 ans. C'est trop bien. J'ai 4 ans. Et donc... en fait, pourquoi je fais cette vidéo? Simplement parce que j'ai remarqué que déjà, les magasins vendent de plus en plus de vêtements ces années 90, parce que ça revient à la mode, et que moi, je les achète. Voilà. Et donc, je vais vous faire un lookbook avec des choses que j'ai achetées au Japon ou pas, et que je porte, et que j'aime, et qui font vraiment année 90, et vous pouvez voir que je me suis inspirée de cette petite chose que j'ai transformée en bracelet que j'aime d'amour et que je n'arrête pas de jouer avec toute ma vie pour faire mon maquillage qui sera tout à fait pas du tout assorti à mes tenues. Je suis désolée, mais c'est parce que je n'achète quasi que du noir et blanc ces temps-ci. Vous allez savoir pourquoi. Mais c'est pas grave, ça fera un contraste et c'est ça qui est bien dans la vie, il faut contraster les choses, il faut... Bref, alors on va commencer par la première tenue qui ne viendra pas du tout par ce côté. Alors pour la première tenue, je porte un short vintage que j'ai acheté chez Wigo au Japon avec simplement une espèce de marcelle en fait que j'ai découpé dans le dos et que j'ai noué dans mon soutien-gorge comme on faisait toujours à cette époque. Avec ça, je porte des chaussettes blanches hautes et mes espèces de buffalo que je kiffe à mort, que j'ai également acheté chez Wigo au Japon mais qu'on peut facilement trouver sur AliExpress. En tout cas, je les avais trouvées sur AliExpress, il me semble, et je ne les ai pas commandées et je les ai achetées 10 fois plus cher au Japon. Mais bon, c'est pas grave. Pour la deuxième tenue, eh bien, on ne change rien. La seule chose qui change, c'est que je porte le t-shirt col roulé que j'avais acheté chez New Look à Anvers il y a quelques mois de cela et qui est vraiment, 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 vraiment dans le thème. Et donc, je porte exactement la même chose, sauf que j'ai changé ça. Pour la dernière tenue, j'enlève le short, j'enlève les chaussettes et à la place, je porte un pantalon boyfriend que j'aime d'amour, que j'ai acheté chez Zara Japan en fait. Donc je suppose qu'ils l'ont ici aussi en Belgique, en France, puisque simplement c'est un pantalon boyfriend, tout ce qu'il y a de plus simple. Et avec ça, je porte une Bombers que j'adore d'amour, qui fait plutôt années 80, enfin je suis pas certaine parce que je vous avoue que voilà, je m'en bats les steaks, je l'aime, c'est tout. Et que j'ai acheté chez Libby & Rose au Japon aussi et qu'on pourra peut-être trouver un jour ici, j'espère, puisque j'aimerais bien... j'en ai déjà une en fait, donc c'est pas grave. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que je vous aurai pas trop crevé les yeux avec mon maquillage extravagant et avec mes tenues et avec mes nichons. Et donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à très très bientôt et je vous fais de gros bisous. Salut !